Vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est quoi? Il est 7h du suite, c'est le matin. Nous sommes lundi, Ethan est réveillé. Et j'ai décidé de faire un weekly vlog parce que ça fait longtemps et parce que tous les weekly vlogs que j'ai eu à filmer se sont en quelque sorte évaporés et puis ça a mis du temps. Donc là, je suis en train de m'apprêter pour aller au travail. Ce sont mes chaussures que j'ai mis là et la semaine commence plutôt bien. J'espère qu'il ne va pas trop pleuvoir parce que ces temps-ci, à Yaoundé, il pleut beaucoup trop. Et voilà, j'espère que vous allez bien de votre côté. Et mon réveil, je suis debout depuis 5h, donc depuis 5h, j'ai commencé la prière, j'ai pas fait sport aujourd'hui. Je me suis occupée de Raphaël qui est déjà à l'école et l'autre là aussi. Chouchou, chouchou. Il est coincé quelque part. Chouchou. Non, je me suis aussi occupée de lui. Il a déjà sommeil parce qu'il vient de prendre son micro. Voilà. Donc ce matin, je me suis mis. Tu peux venir. Tu peux venir. J'avais plus mis cette chemise depuis quoi? J'avais plus mis cette chemise depuis 2 ans. À cause du bouton. Excusez, mon patron a écrit un peu trop ce matin. Donc là, je vais m'apprêter pour partir et peut-être on va se voir en journée. Sinon, on va se voir en soirée parce que vu que je suis très, tellement busy en journée, je ne peux pas souvent tellement filmer. Donc, on va se voir sûrement. Je la fête d'abord. Sunny days. Sunny days annonce la pluie. Pardon, on dégage. Petite fille qui a la grippe là, que c'est son ami. Tu vas voir. Donc nous sommes venus à Place pour chercher d'abord le truc de la fille ici. On appelle ça l'inhalation. La voix même partie. L'inhalation. Bref. Après, on va prendre un truc aussi pour la maison. Donc là, je suis en train de chercher le lait en sachet. Et je me rends compte qu'il n'y en a pas ici. L'autre jour, j'ai une amie qui me disait qu'elle est venue faire des courses à Carrefour. On dit que c'est un promo. C'est pas un promo. Quand on met juste que ça fait un promo. Genre, elle met ça que c'est un promo, non. Mais quand elle va sur la caisse, c'est le coût initial. Et elle s'est plaint. Du coup, on a cherché le truc. Et tout et tout. Après, on a dit que madame, c'est parce que vous avez vu comme ça, mais c'était plus ça. Il faut calculer à la lettre tout ce que tu prends. Farine pour la pizza. Farine pour les crêpes. Farine pour les fritures. Pour les beignets. Donc, oui, pâtisserie. Ça être au régime, ça m'attire. On prend. Donc, Manon a vu ça. Elle résiste. On prend ça. Ça a l'air sec. On prend un de chaque, on goûte pour l'autre. On peut aussi un ici. On peut manger d'autre de façon. Il doit avoir les pièces, oui. Ils font ça exprès, je t'ai dit qu'ils jouent trop dans notre psychologie. Non, c'est pour ça qu'il y a seulement les rappels de Fatima. Les gens ont compris, on dit que vous allez seulement rembourser. Je ne complète rien, vous allez me rembourser. Oui, pas comment. Vous prenez la voilà la dernière sortie ici. Celle-ci. Ouais. C'est ça, hippodrome. Nous sommes déjà à hippodrome, mais vous descendez maintenant. Non, je me rassurais parce que je ne pensais pas exactement. C'est ça hippodrome. Ici, là, tout le tour, si c'est tout ça hippodrome. Et pourquoi on appelle hippodrome? Aucune idée. Ça part face. Manu, il va te faire les photos. Tiens, tiens, bien. Hein? Oh, bon, c'est pas ça. Ça va sauter. C'est 10 secondes. C'est la condition. C'est pas la condition, je suis obligé. Ils sont magnifiques. Oh, là, comment ils sont belles. L'endroit, c'est bien. Like, yes.
Let me take my coat. Qu'est-ce qu'on t'a donné le ta pochette? J'ai volé. Why ask you want? Prends mon truc là-bas. I want to take steak de filet de bœuf grillé. Je steak de filet de bœuf. On est mal de bœuf. Je vais te prendre la chambre en fait. Alors, moi, je te sens les gars. Bien sûr. Monsieur. Il y a quoi, tu disais qu'il y a des filles, m'expliquer. Tous les hommes font les choses, genre. Ils font des choses, genre, africaines. Ils font le soya, ils font que ça. Ils font tout genre. Look. Ok, je vais manger, ça va. Donc tout ce trajet, c'est pour qu'elle vienne manger la salade. La peur du boucher, steak de filet de bœuf. C'est trop beau ici. Je vais lui demander. On charge, on monte, on ne paye même pas bien les factures. Qui a dit qu'on ne paye pas? I pay. We pay our bills, we are only the boss lady. Tiiiiiii. Tu me demandes quoi et tu me demandes c'est pour les gens. Donc voilà, voilà. Mon repas est là, moi j'ai pris les côtes de quoi? Non, j'ai pris le filet, steak. Grillé, voilà, filet de bœuf, et elle a pris des côtes de bœuf, voilà. De porc. De porc. Maman, la famille m'a nous tué. Je peux manger. C'est sauvage. Elle se confonde. Ça c'est moi. Ich. Non. J'avais sucé les os. Bref, on a fini. Manon, non. Elle est trop comme une fille de Bogota. Elle est mafia. Elle est trop villageoise là-bas. Et quand je marche avec elle, elle me rend encore plus villageoise. On nous voit comme ça, là, on peut nous respecter. Mais dès qu'elle ouvre la bouche, on ne peut plus. Si tu es un peu influence, hein. Tu vas voir quand tu ouvres ta bouche. On a bien mangé. Une fille de Tambafia. Une elle fille de Tambafia. On a bien, en tout cas, on a bien mangé maintenant. Hein. Bon, ça me menace comme ça. Alors que tu étais habitué à boire jusqu'à deux ice. Donc, on vient de finir et Manu est pompette. Ils sont pompettes. Bon, elle est un peu trop contente. Donc là, on va bouger. On va aller quelque part. Peut-être. Si elle n'est pas trop pompette. Comment Yango? Et maintenant, elle va commander Yango. Pour pas aller aux toilettes, mamie. So we have just arrived ici. Gars, tu peux pas te comporter la perruque ou? Ta chaussure. Le gars qui devait arranger ça m'a dit. Coucou. Ta chaussure quoi? Apparemment, durant le. Cassé. Hey. C'est toi qui va arranger ça, qui vient. Je vais partir ici, je vais avoir tes 10 ans. Donc là, on rentre. Manu m'a déjà toute la journée, c'était bon comme ça. Mais quelle façon de saluer ça? Non, non, c'est pas à vous. Donc là, je viens de rentrer. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc là, j'ai pris ça. Et j'ai pris des brioches pour le petit déjeuner. Oui! Merci, maman. J'ai aussi pris du pain.
Voilà. Oui, merci tout le monde. Raffine pas. Oh, j'ai pris aussi des biscuits. Là, ma menthe. Je demande pour ceux qui ont connu. J'adore ma maltasse. J'ai pris le lait. La farine pour faire les gâteaux. Je sais pas, c'est comme ça s'est passé. C'est des petits yaourts là. C'est pour toi. C'est pour toi. J'ai pris d'autres yaourts, c'est pour faire la pâtisserie. Bah, les chimiques et tout. Ça c'est versé sur moi. J'ai pris des œufs à la boutique. Voilà. Alors j'ai nettoyé. Quoi d'autre? J'ai juste pris ça. C'est mon savon que je voulais depuis, qui était fini, en rupture de stock. Donc j'ai repris ça. Ça c'est bon, été offert, il y a un cabinet. J'ai pris mon gel douche, mon gel pour les cheveux, pardon. Ça le yaourt. Et Raphaël qui m'aide. Le sucre pour les gâteaux. Voilà. Donc je vais ranger tout ça. Et je vais me poser. Je pensais pas faire le soir ce soir, mais je suis fatiguée. Je viens de me démaquiller, je viens de me débabouiller. Et j'ai un peu joué avec les enfants aussi. J'ai fait un appel audio à ma mère et tout, donc on a un peu papoté. C'est pour ça que j'ai pris du temps. Je voulais revenir. Ça, c'est le savon que j'utilisais avant. Donc vous avez sûrement vu la vidéo de mes produits que j'étais allée acheter parce que j'avais pas ça. Donc comme j'ai fait un tour à clé ici pour profiter. Donc j'ai profité pour prendre ça. Je vais laisser la vidéo quelque part là pour les personnes qui n'ont pas encore vu cette vidéo. Et je pense que je vais me reposer. J'avais commencé le régime il y a une semaine et tout. Ça allait plutôt bien. Mais dès que j'ai vu Manu aujourd'hui, les choses ont capoté. Donc on ne peut pas vivre dans la même maison. J'ai même pris la Malta que j'avais pas vu depuis. Donc je vais bientôt coucher Raphaël parce qu'il dort tôt. Et moi aussi, je vais apprêter la journée de demain, petit déjeuner, goûter, tout ce que ça va. Les compositions et tout pour les petits et pour moi-même aussi. Donc, on se dit à demain. Je vais aussi profiter pour lire un livre que j'ai pas lu depuis. Je sais pas si vous avez connu le livre là. C'est le livre de comment, Napoleon Hill. Voilà, c'est Think and Grow Rich. Voilà, Think and Grow Rich. Réfléchissez et devenir riche. Voilà, je suis dans la lecture depuis. En plus, j'ai fait un achat d'un livre numérique. Et du coup, c'est dans mon téléphone. J'essaie de temps en temps de lire quand je peux, mais depuis la semaine dernière, j'ai pas eu le temps. Et je me suis dit, il me faut au moins lire quelque chose tous les mois. Là, c'est Ethan qui est en train d'essayer de toutes les façons, par tous les moyens, de figurer dans cette vidéo. Et il comprend pas encore que c'est le travail de maman. Et que maman ne veut pas ça. Genre, il est trop bébé encore pour passer dans les vidéos et tout, je trouve. Donc, m'excusez de ne pas vous montrer votre neveu, mais je trouve qu'il est encore trop petit comparé à Raphaël. Donc voilà, et on se dit à demain. Allez, allez. Hello. Donc aujourd'hui nous sommes mardi et je suis toute en noir. J'adore, je suis en noir de la tête aux pieds. Sauf mes chaussures qui sont en piton tout là. Et il est déjà près de 7h15, je suis en train de bouger. Aujourd'hui je ne crois pas que je vais faire quelque chose. Je ne crois pas que je vais signer en journée. Je pense que je vais rentrer en soirée. On sera plus ensemble en soirée. C'est la réalité. Et voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. J'ai dit non, non. Donc j'ai ramené les chips tout à l'heure. Je vais donner à Raphaël et Ethan aussi est derrière là que on doit donner sa part. Bref. Ethan. Donc là j'ai envie de faire le sport parce que je suis rentrée. Et je me suis dit. C'est pas pour toi. Je me suis dit au lieu de. Papa. Au lieu de. Et toi tu manges donc pour qui? Au lieu de faire. D'attendre payer la salle et tout. Mais je commence maintenant. J'ai un peu de temps. Donc là il est quelque chose comme 18h. Je viens de rentrer. Avec les embouteillages. Je me démaquille. Et je fais ma séance de sport.
Et ensuite, je vais me doucher et je vais faire un gâteau. Voilà, pour demain, pour le goûter. Donc voilà, je me suis démaquillée. Je vais commencer ma séance de sport. Ici, dans ma chambre, parce qu'il a plu et parce que voilà. Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause... Voilà, je viens de terminer ma séance. C'était... Mais pour empêcher Ethan d'entrer ici avec son frère. Ouh. Voilà, je vais me doucher et je vais faire la pâtisserie comme prévu. Alors voici mon œuf. Alors voici mon gâteau. Donc c'est deux gâteaux en principe que je vais battre. Maintenant je vais tourner, remuer, tout ce que vous voulez. J'avais la flemme de faire un. Du coup j'ai tout mélangé les portions. Et je me suis fait deux œufs. Voilà, avec le haricot. Un sale problème. J'ai voulu mettre mon gâteau et le four a commencé à faire comme si ça avait brûlé parce qu'en fait il y a de l'huile qui s'est versée dans le truc où le feu sort, si vous me comprenez un peu. Du coup j'ai failli créer un incendie ici totalement. Il est plus opérationnel, ça va m'apprendre. Et de deux, j'ai dû faire à l'ancienne, j'ai fait les gâteaux comme au village, j'ai mis dans une marmite avec des cailloux et j'espère que ça va vite cuire parce que l'autre est déjà en train d'entendre pendant que je vais dans le lac et on verra bien ce que ça va donner. Avant je mettais le sable et tout quand j'étais au village, mais là je sais pas, j'attends de voir. Franchement j'ai envie de pleurer, voilà ça. Il a plu, je pouvais pas trouver le sable, donc j'espère au moins que le goût y est parce que de toute façon c'est façon là, ça a vraiment boulé, j'ai encore espoir avec l'autre. Ouh, c'est chaud, c'est chaud. Découpé, je vous montre. Voilà, c'est hyper moelleux. Regardez comment ça rebondit. C'est comme parce que ça chauffait, c'est comme l'éponge en fait, mais brûlant en bas. Pouf. Je vais passer mon gâteau à bien cuit. Il y a un gars là qui va entrer dans la vidéo. Tu n'entreras point, tu ne seras jamais connu. Donc voilà, je suis déjà dans ma chambre et je vais me reposer pour demain. Ça, c'est Ethan qui cherche le sommeil. Donc voilà, mes super gâteaux sont prêts. Heureusement qu'il y a la technique de la marmite. Je vous dis à demain. Voilà, pour moi, ça sera demain. Pour vous, ça sera juste la suite. Bisous. Alors, il est 7h déjà et le climat n'est pas beau à voir, il veut pleuvoir et tout, j'ai mon pull à côté. Donc je suis juste en train d'attendre l'anneau de l'Ethan est debout depuis 5h du matin, comme tous les matins. Vous allez me constater que je commence à avoir des scènes. Bref, en passant c'est l'anniversaire de ma soeur dimanche, donc je sais pas si je veux continuer le vlog jusqu'à dimanche, mais toujours est-il que je dois lui trouver un cadeau ces jours-ci, puisque je vais pas quand même arriver bras ballants, en plus c'est ma petite soeur, donc je suis en train de réfléchir ce que je peux acheter. Voilà, donc cette journée je me suis réveillée un peu en retard parce que j'ai dû faire le... Raphaël n'a pas pu boire le lait, il a pris un pot de yaourt avec les crêpes parce qu'il n'y avait plus de temps. Donc je me suis réveillée vers 5h53 comme ça, vers 6h moins là. J'ai couru, bon, je comprends pas. Les enfants, quand ils sont en congé, quand c'est le week-end, ils se réveillent même avant vous. Genre, quand c'est le samedi ou le dimanche, Raphaël va venir ici là. Genre, il va se réveiller comme s'il y avait classe. Mais quand c'est en semaine, le gars, il peut dormir jusqu'à 8h, il n'a pas la pression. Donc, j'espère quand même qu'on va passer une belle journée parce que vu le climat, ces temps-ci et ce matin, j'ai même peur que la pluie m'arrose. Bref, je vais voir. Et je vais consommer mon café parce que ça dort pas assez en fait. Voilà quoi, c'est un peu ça. Donc on se revoit au retour parce que j'ai une vidéo à tourner pour demain.
J'ai pas vu tourner une vidéo avant, donc je vais tourner une vidéo ce soir, en principe. Pas de sport, juste ça. Et je vais commencer à éditer aussi. Bon, vous avez constaté que la vie n'est plus tranquille, c'est différent. Mes weekly vlogs avant, j'étais posée, j'avais une routine établie, je pouvais manger, après je viens, je prie, je fais... Bref, c'était vraiment établi, je pouvais même me reposer, mais maintenant il n'y a plus le temps de se reposer. On s'est assez reposé, donc... On va faire comment? C'est la vie, non? La vie est en train de m'enseigner, en fait. Donc, allez, on se voit ce soir. Ciao, ciao! Alors, je suis rentrée il y a 2 heures par là. J'ai pas pu filmer parce que j'étais un peu fatiguée. J'avais mal à la tête parce que toute la journée, j'ai eu mal à la tête. Quand je suis rentrée, il fallait que je fasse les devoirs de Raphaël. Alors, je vais terminer de filmer la vidéo de demain. Vous voyez comment être youtubeuse, ce n'est pas du tout facile. Franchement, quand vous voyez des youtubeuses qui ne posent pas régulièrement, c'est parce que il y a aussi ça. Il y a l'emploi de temps, il y a les charges et tout. Il y a les engagements, les responsabilités et tout. Tout le monde n'a pas le même emploi de temps, tout le monde n'a pas les mêmes créneaux. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Et j'ai dû poster cette vidéo de ce make-up look. Peut-être que ça sera déjà disponible demain. Donc, quand je vais monter la vidéo à l'édit, je vais mettre ça pour les personnes qui n'ont pas encore vu ça. Et on se voit demain. Je vais me reposer, je suis fatiguée. Voilà, bonne nuit et à tout de suite pour vous. Hello, donc nous sommes samedi matin et les enfants sont à la maison. Raphaël est pleinement là, il est en train de jouer son rôle de grand frère. Et moi je suis en train de sortir, j'ai des coups, ça fait comme je vous disais, c'est l'anniversaire de ma soeur demain et il faut trouver un cadeau. Et j'espère que je vais pouvoir trouver le cadeau, sinon ça sera... Je sais pas où je vais trouver, mais quand je reviens, je vous fais tout ça en vidéo. Donc tout à l'heure. Donc hello, bonsoir. Je n'ai pas trouvé encore le cadeau d'anniversaire. Je n'ai pas eu assez de temps parce que je faisais autre chose. Et j'espère pouvoir retrouver le cadeau là tout à l'heure. Non, qu'est-ce que je raconte? Et j'espère trouver le cadeau demain matin ou plus tard. Alors, je suis en train de chercher. Comment on appelle ça? Mes produits parce que demain je vais me tresser. Donc je vais trouver ça. Voilà. Donc maman m'a venu me tresser. Et je vais donc laver mes cheveux et faire mon masque avec ce que je fais d'habitude. Donc je vais faire ça et faire mon retour de course. Pendant ce temps, Raphaël est en train de faire les devoirs. Tu as fini? Montre. Donc voilà ce que j'ai ramené, un peu de plantain, un peu de bâton, un peu de coque, arachide, 2 types d'arachide, la tomate, une demi-arrière d'œuf et les mandarines. Le reste c'est les condiments, les oignons, tout ça. Parce que je vais faire le marché d'ici le week-end prochain. Mais ça c'est pour alimenter en fait la semaine vu que j'ai encore un peu de viande et de poisson, voilà, à la maison. Donc là, je vais faire les légumes pour ce soir. Je range tout ça et ça sera bon. 21h. Je suis bien.
bien fatiguée, donc là je vais aller me laver les cheveux. Ensuite je vais faire de la lessive, tout ça avant 23h pour me booster. Ma super cannelle de vanille mat. C'est nickel, là c'est les gamelles pour la semaine, pour les légumes. Et demain je vais encore préparer d'autres menus. Ouf, je suis fatiguée. Bon, tout à l'heure. Alors, je peux pas tellement crier parce qu'il y a des gens qui tombent déjà. Il est 23h20 et si vous attendez bien, il y a mon dernier tour de machine qui est en train de, voilà, de se faire. Je suis juste fatiguée, crevée, épuisée. Et quand je pense que demain, je dois me réveiller pour affronter le dimanche où je suis censée me reposer, j'ai juste plus de force. Donc là, mes yeux font comme si ça picote. Genre, quand vous avez sommeil, là, ça ne peut pas partir. Là, je veux fermer les yeux, mais tu vois, ça, c'est le fait tout petit là. Mais c'est ce que j'ai actuellement. Donc je vais aller me coucher après mon dernier tour. Je n'ai même plus où sécher, je vais sécher les habits dehors demain. Donc voilà, ça sera la fin de ce weekly vlog. Retrouvez-moi dans le prochain weekly vlog pour que vous puissiez voir ce que j'aurai acheté comme cadeau d'anniversaire, comment la semaine va se passer. Et j'aurai une petite surprise pour vous la semaine prochaine. Et voilà, je crois que c'est tout. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ciao, ciao.